Le 6 avril 2021. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Louis, Église bien-aimée, qui es-tu? Tu es devenu si tiède, sans ardeur ni ferveur. Tes actions ne sont pas celles admises par la morale. Regarde dans tes rangs. Le péché immonde soulève le dégoût et l'horreur. Sous tes apparats, ce n'est qu'une religiosité d'apparence. Depuis toutes ces années, depuis un modeste jardin de verdure, je n'ai cessé de te donner les moyens de revenir. Tu as fermé la porte au message. Tu as décidé en toute connaissance de mettre le divin Rédempteur à la porte. Depuis toutes ces années, il frappe à ta porte. Si tu refuses de l'entendre et d'ouvrir ta porte, tu périras. Ton péché écarlate pousse les plus vulnérables à se détourner du Sauveur. Malheur à toi, Église tiède, par qui le scandale arrive. Église moribonde, ton immoralité sexuelle est un danger interne et externe. Ton silence coupable a brisé des âmes innocentes. De tes fausses doctrines, tu as su manigancer, séduire et corrompre bien des cœurs. Tu as atteint un degré de confort incohérent et incompatible aux charités divines. Qu'es-tu devenue, Église mystique, Église consumériste et suffisante? Ton attitude répugnante ne te sert pas face à l'usure du temps. Tu as chassé des églises et des diocèses les messagers de cette ultime apparition. Qui es-tu, Église bien-aimée, qui est juge sans examiner, qui condamne sans vérifier et qui jette l'opprobre sans compassion? Qu'as-tu fait, Église si tiède? Cesse donc de persécuter, de martyriser et de stigmatiser les mystiques de ces derniers temps. Ne vois-tu pas que le ciel est à l'œuvre? Maintenant, réveille-toi, Église du Christ. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi avant l'arrivée du grand dragon. L'Orient marche vers l'Occident. Le dragon arrive à grands pas. Église bien-aimée, réveille-toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.